nooit af. Je had het gevoel dat als je in de straten loopt, dat alles om je heen aan het rotten is. En dat je ook mee aan het rotten bent. Ook in dit lieve land van ons bestaat een horde jonge mensen die Johnny Rotten's credo No Future graag voor waarheid aannemen. Om daar niet aan te hoeven denken kan je op en neer hossen, pogo dansen heet dat, tot je erbij valt. Non, pour moi, No Future, ça veut dire qu'on espère rien, quoi, tout le bazar. On est là, si quelque chose se passe, ça se passera. Si rien qui se passe, ben, il se passera rien. C'est ça, quoi. Jezelf punk noemen is ergens willen bijhoren omdat je nergens bij hoort. De vorige generatie heette The Lost Generation. Hoe voel je je als je daar een kind van bent? Wat een robotfoto die de punks van zichzelf gemaakt hebben. Maar ook voor een punk duurt een dag 24 uur en die moeten gevuld worden. Dat betekent eindeloos door de stad wandelen voor de ene of hard zwoegen in de fabriek voor een andere. Stempelen, praten, eten, drinken, lachen, wenen. Inderdaad een beetje zoals iedereen, even onzeker als jij en ik. Maar wel met die doemgedachte in het hoofd dat er allemaal niets meer aan te doen is. Bon, maintenant j'ai le magasin, je peux peindre, mais sinon avant ça, je me levais assez tard, quoi, du fait que je fais rien. Et puis j'allais me promener, je me baladais dans la rue, je venais en ville, j'allais voir les nouveaux disques, j'allais boire un verre au café du coin, des trucs comme ça. Ici. Attends, laisse-moi. À part la musique, quoi, c'est tout ce qu'il y a comme fun, quoi. À part ça, on s'emmerde. Déjà, même pour la musique, il n'y a pas un seul club en Belgique, il n'y a rien, quoi. Bon, maintenant, il y a des petits groupes qui peuvent jouer dans des petits clubs comme ça de temps en temps, quoi. Mais il n'y a rien qui est ouvert tous les jours, quoi. I'm ready.
Inspire me, shit! Precies 10 jaar geleden kalkten de hippies Liever Lief en Peace op dezelfde muren waar de spuitbussen van de punks nu boodschappen als No Future achterlaten. De hippies en hun filosofie worden dan ook niet zozeer gehaat dan wel beklaagd om zoveel naïviteit, zoveel illusies. De twee vingers van de vrede zijn vervangen door een vuist. Lang haar door kort. Maar niks hoeft. Hoe je eruit ziet heeft geen belang, maar saai en grijs is fout. Een beetje schokken mag. Ouais. Hein? 6-0, c'est la chope. Hein? Bon, il y a très peu de filles qui s'associent eux-mêmes au phénomène punk. Et tu te sens seule là-dedans ou... Non, ben, moi je me sens tout à fait indifférent à ces trucs-là. Je me sens bien avec les gens à qui je fréquente. Il n'y a aucune différence entre les garçons et moi. C'est exactement pareil. Je me sens tout à fait un garçon. C'est pas... Le jeu habituel de draguer et tout ça. Non, c'est ça. Ouais. Enfin, à certains moments, c'est plutôt le rôle inverse, mais enfin, ça c'est... C'est à des moments perdus. Mais il y a non plus le facteur mode, etc. Il n'est pas très important pour toi. Oh non, pas du tout, certainement pas. Moi, c'est pas ça, quoi. C'est pas mon idéal d'être bien pimponné ou bien astiqué, tout ça. J'ai jamais pensé à faire l'inimaginable pour m'habiller ou pour poser, quoi. Plutôt pour poser, parce que je sais pas si les filles le font dans l'idée de plaire, plutôt pour poser, vraiment, quoi. Pour faire leur nez, c'est tout. C'est leur histoire, moi je fais la mienne, le reste, bon, j'en ai rien à la foutre. Mm-hmm. Blondie, par exemple, elle est tout à fait dans le sex appeal des années 50-60. Oui, d'accord, elle a à voir avec la New Wave, ça c'est sûr, parce que bon, la musique... Enfin, c'est très 60, quoi, mais bon, Blondie, elle est comme elle est, quoi. Elle est... On ne sait pas changer. Si on la verra un jour comme ça, un autre jour autrement, ben, ce sera comme ça. C'est comme elle est, puis c'est tout. Faut pas essayer de chercher quelque chose. L'aspect musical de tout le truc, pourquoi c'est aussi important? Pour moi, la musique, c'est très important. C'est peut-être pour ça que je suis ici maintenant, c'est pour la musique. Et pour... L'idée qu'il y a dans cette musique, quoi, qui m'intéresse. Quelqu'un nous a dit que le punk, ça pourrait être un truc assez important dans l'émancipation et tout ça. Il dit que chez nous,
ça n'existe pas, la différence homme-femme, etc. Bon, c'est pas ça. De toute façon, moi, je vois pas ça, quoi. Ça me laisse tout à fait indifférent. Bon, merci. Het punkreglement telt twee wetten. Ten eerste, er is geen reglement. En ten tweede, iedereen doet gewoon zijn zin. Niemand is uitleg aan iemand verschuldigd. Nobody know when you're acting right or wrong. No one knows if we're always leading nowhere. Gonna keep on driving home on the road I'm on. And it's 2, 4, 6, saying never too late. Be my radio. If they put you under the label punk and new wave, does that bother you or is it okay? It doesn't bother us. A label is a label. Everybody puts labels on everything. I mean, you can't bite that. We have great admiration for the Clash and the Sex Pistols. The British police are the best in the world. I don't believe one of these stories I've heard about them raiding our pubs for no reason at all, lining the customers up by the wall, picking out people, knocking them down, resisting arrest as they're kicked on the ground, searching their houses, calling them queer. I don't believe that sort of thing happens here. Sing if you're glad to be gay, sing if you're happy that way. Pictures of naked young women are fun in Tidbits and Playboy, page 3 of the Sun. There's no nudes in Gay News or One magazine, but they still found excuses to call it obscene. Read how disgusting we are in the press, the Telegraph, People and Sunday Express. Molesters of children, corrupters of youth. It's there in the paper, it must be the truth. And if
closed down our clubs, arrest us for meeting and raid all our pubs. Make sure your boyfriend's at least 21, so only your friends and your brothers get done. Lie to your workmates, lie to your folks, put down the Queen's tell anti-queer jokes. Gay lips ridiculous, join their laughter, the buggers are legal now. What more are they after? Sing if you're glad to be gay. Sing in a happy love way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy this way. Mensen zouden moeten doen waar ze hoestingen hebben. Het gevoel dat je niks kunt veranderen, dat zit er dus eigenlijk wel diep in. Ja, wat wil je dan gaan veranderen? De mensen zijn zelf gaan morgen vroeger door het werken. Ze komen thuis kijken aan de televisie. Dan gaan ze slapen en dan de nacht weer gaan werken. In de weekend gaan ze op familie op bezoek. En dan is het gedaan. Dat is het leven. Or not, I don't know, but you have been associated with punk and new wave. Do you see yourself as some part of that movement? Or? I think in the specific sense that people associate safety pins and things with punk, I think we're quite different. But I think we do share some attitudes in common that we grew up playing with playing for an audience. We're not studio musicians, and we believe in keeping in contact with our audience. And I think we share some of that, but our music is quite different from what people usually associate with punk. It's also that punk has come to mean something very violent, usually, and we really aren't that. You know, it's not the only attitude we express, whereas many bands, it seems that they only show anger in their performance.